Avant tout, j'aimerais peut-être vous jouer une bande vidéo du déroulement des événements d'hier. Et ensuite, je vais passer à d'autres explications. Voici la scène à l'entrée du Parlement, sur la rue Elgin. Vous voyez des individus qui semblent se replier vers l'ouest en lien avec les événements au cénotaphe. Vous verrez un véhicule qui s'approche. Voilà le suspect armé qui court et qui monte vers le Parlement, vers l'édifice de l'Est. Voici une autre vue de la même scène, prise d'un autre angle. De nouveau, l'individu semblait... Il y a des individus qui semblaient se replier en lien avec les événements au cénotaphe. Encore une fois, une autre prise de vue de la même entrée vers l'enceinte parlementaire. Le cercle, c'est l'auto qui s'approche. Un des piétons s'approche de l'auto. À mesure que le suspect sort, avec son arme à feu, les gens détalent. Et maintenant, vous verrez ici vers l'édifice de l'Est, il court vers les véhicules qui sont stationnés. Le premier de la file, c'est un véhicule d'un ministre. Le suspect fait le tour par en avant. Il y a un échange avec le chauffeur de ce véhicule ministériel. Il recule un peu le véhicule. Le chauffeur sort et part en courant. Le suspect se dirige vers l'édifice du centre. C'est à ce moment-ci que ces gestes ont été remarqués par les constables de la GRC. Le véhicule qui s'avance avec la portière ouverte est en poursuite du véhicule. Vous voyez l'autobus vert, et là, il y a une autre autopatrouille de la GRC qui s'en approche. Vous verrez le suspect entrer dans l'édifice du centre. Nos constables sont derrière lui à le poursuivre, et à mesure qu'il arrive près de la porte, il y a un échange de coups de feu. À mesure que les responsables de la sécurité parlementaire tirent, nos constables reculent quelques moments et ensuite partent à ses trousses. Et là, voilà une autre vue de ce véhicule ministériel qui s'approche de l'édifice du centre. Voilà le suspect qui entre en courant dans l'édifice du centre. Vous voyez les policiers qui sont à ses trousses et qui se dirigent aussi vers cette entrée de l'édifice du centre sous la tour de la paix, sur la colline parlementaire.